Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Violette. Enchantée, Violette. Moi, c'est Vladi. Oui. Alors, Violette, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 10-8-49. 10-10-49. Oui, 10-8-49. Ah, 8, d'accord, j'ai compris. Mmh. Ok, Violette, que voulez-vous qu'on regarde? Ben, moi, ça fait longtemps que je suis tout seule. D'accord. Je voudrais savoir si je ne peux pas trouver quelqu'un. D'accord, Violette. Alors, juste une petite question, j'ai oublié de vous demander. Vous nous appelez de quelle région? Le Doubs, 25, d'accord. Montbéliard. Ok, super. Alors, on va regarder donc sur le sentimental de Violette. Alors, on y va. Violette. Alors, Violette, oui. c'est vrai qu'on vous sent quand même dans une solitude, là. Hein. C'est, oh oui. C'est oui. Plus qu'une solitude voulue. Hein. On sent vraiment que ça vous pèse, que c'est difficile. Et puis, plus ça dure et plus c'est difficile. Hein. Plus c'est oui, long, plus oui. C'est difficile. Donc, bon, il va falloir... bouger, hein. Il va falloir faire quelque chose pour changer un petit peu la situation. Hein. Je dirais que là, vous êtes trop enfermé. Vous avez sûrement vécu des choses qui étaient difficiles. Du coup, vous êtes complètement renfermé sur vous. Hein. Oui. Ce qui fait que, bon, bah, aujourd'hui, bah, vous vous retrouvez toute seule. Donc, pour moi, si vous voulez, là... Hein, je veux pas vous dire effectivement que je vois une rencontre là tout de suite dans les 6-9 mois qui arrivent. Ça, c'est clair. Je crois qu'avant, il va falloir vous refaire un travail sur vous, hein, je dirais, pour vous relever, pour reprendre confiance, pour réapprendre, entre guillemets, à sortir, pour accepter des invitations, vous voyez. D'accord, il faut reprendre le dialogue et la communication avec, je dirais, l'extérieur et avec les autres. D'accord? C'est vraiment par ce biais-là que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, pour moi, hein, je dis, il faut... on sent que c'est quelque chose qui va être quand même difficile hein, pour vous. Mais il faut vraiment faire ce travail sur vous, Violette. C'est important pour votre bien-être. Donc pour moi, j'ai quand même un cercle amical qui va se développer hein, autour de vous. Oui, oui. Mmh, mmh. Donc surtout, par ses amis, hein, on voit que vous allez avoir l'occasion de sortir et de rencontrer d'autres personnes. D'accord ? Oui, oui, d'accord. Donc c'est très important, Violette, de répondre à ces invitations hein, et surtout de faire l'effort hein, sur vous, d'aller aussi vous vers les autres. Oui, hein. Oui. Voilà. Oui. Et de ne pas penser que les gens ne s'intéressent pas à vous. Il faut vraiment reprendre une confiance en vous, c'est très important, Violette. D'accord ? Mais là, je ne sors pas parce que vu que j'ai des problèmes d'argent, c'est déjà les personnes qui me donnent à manger. Hein, des personnes qui me donnent à manger. Alors, vous voyez... Je comprends. Oui, je comprends. Donc, c'est vrai que vous êtes aussi dans un cercle où il y a tout qui vous pousse à rester à l'intérieur, finalement. Ben oui, c'est ça. Donc, vous, c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail qui est difficile, qui sera difficile, mais il n'y a que vous qui puissiez faire cet effort-là pour vous. D'accord ? Oui, d'accord. Même si c'est difficile, même si vous n'avez pas d'argent, ça ne doit pas vous empêcher de sortir. D'accord ? On peut rencontrer... c'est pas forcément... on peut rencontrer partout, hein, d'accord? Oui. D'accord. Donc, voilà, je crois que la première démarche hein, pour faire une rencontre, c'est d'abord vous de sortir hein, de ce milieu-là qui vous enferme et qui vous maintient à l'intérieur. D'accord? Eh oui, d'accord. Même s'il y a des aides, même si on vous aide, ça ne doit pas vous empêcher. Il faut absolument hein, élargir, là, votre réseau amical. Pour moi, vous avez des amis, mais si vous voulez, les amis ne peuvent plus vous contacter. D'accord. Donc, voilà, montrez que vous êtes là, que vous avez envie, faites vraiment ce travail sur vous pour ne plus être dans cette solitude. D'accord. D'accord, Violette.
Allez, je vous souhaite une belle continuation et à très bientôt. Bientôt. Hein. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.